بس هذه خطرة وكبيرة جدا. حلوة كثير يا صبيح. شنو تعتقد أنت مهتم بهذا الشيء؟ وشنو أقول لك؟ غالية كثير. أني أتفق معك. وهذا شيء hey. خطر. Hey, just tell him this is the deal. You either take it or don't. Got it? يا أخي هذا ما يقبل ينزل السعر. أنت لو تشتري لو لا. شيء غير معقول. إحنا نتحمل الخطر. هذا لازم ينزل السعر. He says no. It's too much risk. The price must come down. That's not gonna happen. But listen, Harvey, it's not gonna happen. Harvey, I need to talk to you. Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look, take the deal or stop wasting my time. All right? Yeah. What's up? Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? Our guy fucked up, got himself killed by the guards. Good for nothing, piece of shit. I'm sorry, boss. Look, Sean, you need to find him, okay? Yeah, but I'm not sure the men we have right now are not my problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how, just make it happen. Yes, boss. So you decided? Yes. Price down or no deal. Okay, no deal. Yo YouTube, c'est Sean Kazma et Stal Vincent. Bonsoir Stal Vincent, comment vas-tu? Mais ça va, écoute, c'est très joli ici. Oui, effectivement, ça fait très The Last of Us, Uncharted, la patte Naughty Dog, on la reconnaît de ouf. Et pourtant, c'est un jeu Electronic Arts, c'est un studio à la base plutôt indépendant. D'ailleurs, en vérité, c'est Hashtag... Merde, comment il s'appelle Hashtag Studio? Je sais plus le nom du studio, mais bref, vous Ace le connaissez. Light. Quoi? Hazelight. Hazelight Studio, merci beaucoup. Et du coup, bien sûr, c'est édité par Electronic Arts. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'avais un petit peu peur du jeu. Mais finalement, jusqu'à présent, c'est une bonne réussite. Malheureusement pour vous, parce que nous on enchaîne vraiment tout d'un coup, donc vraiment on n'a pas le temps d'avoir c'est vos retours. C'est très très prenant. C'est tellement prenant que qu'on est dedans et qu'on n'ose pas s'arrêter en fait. On a peur de louper quelque chose ou de se perdre dans l'histoire. On a rencontré Hervé. Alors, on l'a vu de loin en fait, on l'a vu dans une cinématique. J'imaginais pas si méchant, mais il cache bien son jeu. Vraiment, il cache bien son jeu. Il est du genre à flinguer ses ennemis en. Wow. En 4 pépins. Effectivement! C'est hyper joli. Ça a du méga, méga swag. Et du coup, Stalo et moi, jusque-là, on s'en sort plutôt bien. Enfin, bien. On s'est évadé, à part ça. On s'est fait choper une fois. Oui, on s'est fait pécho, et encore, on n'avait pas compris comment on s'était fait pécho d'ailleurs. Je me rappelle plus. Je sais plus. C'est une cascade de miel ou c'est moi? On dirait vraiment pas de l'eau, on dirait du miel. Si c'est beau. C'est la forêt de Bambi. C'est la forêt des animaux fantastiques. La forêt d'Alice au pays des forêts. Alice au pays des forêts. C'est vraiment trop beau. Oui, vraiment très très. La patte graphique est vraiment très sympa. Le jeu est vraiment très chouette. Waouh. C'est calme, c'est pur. Ça fait du bien, oui. Moi je marche, ça fait du bien. Attends. Je te rattrape juste qu'on soit un petit peu égaux. Je fais ma petite balade en forêt. Bon, sinon, Vince, explique-moi pourquoi ta femme est pas venue te rendre visite la dernière fois. Parce que c'est une connasse. Oh, paye ton sentimental, quoi. Le gars, il était à fond et puis. Parce que c'est une pute. C'est tellement pas gentil. Oh là là. Je t'ai perdu, Vince. Pendant qu'on courait et qu'on échappait au chien, je t'ai perdu sur la route. Putain, c'est terrible. J'ai laissé mon cœur là-bas. Oh, c'est beau. Je me demande par contre si à un moment ou un autre, on va jouer du flingue. Parce que. Autant te le dire, je m'en passe très bien. Vraiment, je m'en passe très bien. Oh, je peux pêcher les petits poissons. Bah, écoute, moi aussi, déjà, tirer, c'est pas mon truc. Mais alors avec une manette. Je pense que si jamais on doit tirer, ce sera du QTE. Du QTE oui. Ou du scénarisé ou quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Alors, parce on qu'on aurait pêcher dit une des petite petits cabane. Poissons. Oh ! Mais oui, c'est pour ça que je voulais pêcher, moi. Une poissonne ! Tu crois qu'on va habiter là ? Je ne sais pas, mais écoute, si tu veux pêcher, je te laisse pêcher. Pêcher un poisson chacun. Pêcher un poisson chacun. Trop bien. Attends, on va faire des remous. C'est quoi des remous? Oh, remous. Oh, on fait.
Tiens, oui. Mais non, il faut que tu les amènes vers moi. Oui. Bah attends, parce qu'il faut que l'un de nous prenne une canne à pêche ou comment ça se passe? Non, il faut les pêcher comme ça, je pense. Ah bon? Ouais, il faut que tu les amènes vers moi. Bah attends, viens pas à moi, on va les sandwicher. Bah oui, justement, ah, non, c'est pour ça, faire des remous. Je le faisais de l'autre côté, moi. Ah, ouais. Bah non, t'es sûr qu'il faut pas une canne à pêche, hein? Peut-être. Bah attends, faut déjà on va sortir de l'eau. Tu veux allumer le feu ou je le fais? Je sais pas, comme tu veux. Comme tu veux. Je vais essayer d'allumer un feu, parce que je me sens pas très utile. Vas-y. Depuis le début. Badass, badass. Mais non, t'as neutralisé des gens, fabriquer c'est très harpon. Utile. Ah. Fabriquer un harpon, tout de même. Le souffle. Oh. C'est quoi, ça? Du souffle. Oh, c'est un coutal! On a besoin de bois pour le feu. Mais... Ah bah, j'ai ton bois. Attends. I'm Poland, Sam... Oh, mais c'est avec ça qu'on va pêcher! Bah oui. À l'ancienne, en mode Far Cry Primal. Trop bien! Allez, le feu. Ok, j'ai ce qu'il faut si jamais tu veux pêcher. Ah oui, il faut du bois. Hugues, visage poisson pâle. Du bois, du genre du petit bois, tu veux quoi en fait? Non, du gros bois. Du gros bois, alors attends. Parce que ça se trouve, dans la forêt, on peut trouver du bois. Va un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ça, c'est joli, c'est un havre de paradis. Ah, c'est magnifique. C'est trop ah, des brindilles, voilà, parfait. Où ça? What? Tu les as trouvés ou tes brindilles? Ah oui, effectivement. Je sais pas, je suis allé. Oui, effectivement, j'en ai aussi. Effectivement, j'ai. Bah écoute, si on se prépare un petit feu et qu'on va pêcher, c'est qu'on va passer la soirée ici. Ouais. Ça va être très bien. C'est on va se reposer, bien. On va bien manger. Ça devrait suffire. Et on va attendre que les fédéraux Allez. Ne recherchent plus. Attends, je vais pas te mentir, je me suis un peu paumé là. Et je fabrique un harpon. Ah, c'est là, oui, pardon. Attends pour moi. Alors, du coup, le feu c'est fait? Ouais. Ah, bah cool. Cool. Nya ha ha. Donc en fait, si on pêche un poisson chacun, c'est qu'on va chacun récupérer son poisson pour manger? Bah ouais. Oh, mais on peut pas genre... Oh, trop bien, je peux m'installer. On peut pas genre pêcher pour deux, c'est nul. Tu sais quoi? Moi, je propose de tout pêcher. C'est quoi? Il y a 10... J'ai 10 poissons, je veux 10 poissons. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Par contre, vraiment... Ah, c'est dur, hein. Attends. Ouais, oh, j'ai eu un poisson. Ah, aïe, qu'est-ce que tu dis ça? Je l'ai aussi. Ok. Ouh, eh bien, à table. Putain, c'est dommage, j'aurais bien voulu en pêcher d'autres. Écoute, c'était chouettos. C'était ouais. Rapide, mais chouettos. Chouettos. Comment on le fait? Genre comme un marshmallow? Bah ouais. Comme un marshmallow. C'est trop rigolo. Qu'est-ce que... Oui, j'ai pas compris non plus. La nuit passe. Je pense que c'était une transition. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, c'était bien sympatoche. On peut continuer à pêcher, j'aime bien. Comment ça, c'est dégueu? C'est pas dégueu. C'est du 100% bio. Je préférerais manger des vers de terre. Non, je suis bien moi. Par contre, j'aimerais savoir à qui est l'abri de fortune là. Mm. Parce qu'on s'est installé calmement. Well, it's not like we have much of a choice here. Yeah. By the way, what are you in for? Something I didn't do. So you're innocent, huh? Well, aren't we all? I'm innocent too, you know. Yeah, sure you are. What about family? You got any? Yeah. A wife. I hope. You? Me too. And a kid. Alex. Fucking miss him, man. Yeah, I hear you. That piece of shit Harvey's gonna get what he deserves, let me tell you that. So, let's go after him. Together. Look, Vincent, I need to know what your story with Harvey is. Okay? All right. I was a regular guy with a boring bank job. One day my brother brings in a new client, Harvey. Let me guess, money laundering? Yeah. Money was easy, but Harvey just kept coming in with more and more cash, and I couldn't handle it. It was too risky. So I told him I wanted out. He killed my brother as a warning. After that, I lost it. I planned on killing him. But the son of a bitch pinned it all on me. I was convicted for the murder of my own brother. Wow. That's fucking rough, man. Yeah. Sorry.
So, what's your story with Harvey? He fucked me over, that's for sure. Maybe we're gonna... Wait, you hear that? Oh, shit. We're closing in. We gotta move. Ah, my fucking feet. Just suck it up. Don't worry about it, I got it, okay? Bon, tout ceci est compliqué. Tout ceci est compliqué. Les deux ont été roulés dans la farine par le même homme. Au moins, c'est bien. Ça nous fait une cause de lutter à deux. Mais effectivement, c'est pas facile. Alors, toujours avec les fédéraux aux fesses, on poursuit notre avancée. C'est dommage de pas pouvoir pêcher plus, ça aurait été sympa. Ouais. Mais ouais, bon, effectivement, là, on s'est fait avoir pour le game. Salaud d'Harvey, on te retrouve, on te botte le cul. On sait pas. Bah écoute, on sait pas. Ouais, hein, pas. Oui, non, mais je. Voilà, on se promène nouille, on s'amuse bien. En vrai, ça doit être rigolo à jouer en ligne. Mais j'aime bien le principe de jeu canapé. Maison. Quoi? Ah oui! Bien vu! Il y a une ferme. Ouais, c'est une juste cru. On va prendre possession du terrain. Bon, par contre, on rappelle, on fait ça gentiment. On n'est pas des vrais criminels, hein, c'est pas nous. Enfin, toi non, mais moi, bon. S'il faut taper du poing, je taperai du poing. Mais... Évitons d'aller jusqu'au flingue. Ou jusqu'à la lame. Ouais. Ah mais attends, parce que je suppose qu'ils ont été avertis. Genre, ouais, si jamais si vous voyez ces gars-là, surtout, appelez-nous, machin. Donc on va faire très attention. Il y a un portail là-bas, non? Ah bah non, 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 non. C'est pas moi qui ai la réponse. La planche là-bas, je suppose qu'il faut la déplacer. Yeah, yeah. Allez, 1, 2, 3. Et hop là. Et voilà. C'est une église? Ah non, c'est une maison. Non mais vraiment, caché par la... Merde. Bref, on aurait dit une église. Oulala, elle est toute seule ou il y a le mari qui prépare le pompe? Oui, il y a le mari qui prépare le pompe. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste of old Betsy. Hey, I say we take them out. Are you crazy? It's an old couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. What do you have in mind? See that barn over there? Yeah. We release the horses. Release the horses? How's that gonna help? Trust me. They'll be forced to go get them back. Est-ce qu'on va faire du poney? Je sais pas, mais jusque-là, tes idées ont plutôt bien marché. Alors, technique numéro 1, maîtriser le couple. Style un peu violent. 2, libérer les chevaux. On va pas tuer un couple de petits vieux. Effectivement, surtout que le petit vieux, il a un fusil qui s'appelle Betsy. C'est facile, c'est tellement facile. Mais on va prendre tous tes choix si ça continue, hein, parce que toi, t'as les choix raisonnables. Oui. Moi, je veux faire que des choix de salaud. De salaud. Crap. It's locked. Oh, yeah. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. Comment tu sais qu'ils ont des chevaux? Bah, c'est une écurie, évidemment. C'est... Ah mince, attends, je regardais dans ton écran, ça m'a stressé. Ok, alors attends. Oh, ils ont un poulailler! Ils ont un poulailler! Ils sont beaux, les poules. Voyons voir. Oh, il y a des vaches! Attends. Ah, une échelle. T'as pas trouvé une fenêtre ouverte ou une connerie comme ça? Non. Parce que si tu veux t'infiltrer. Non, là! Là, là, là! Là, 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 je trouve. Là, là. Quoi? Je travaille à la ferme, moi, madame! Non, mais. Tu vas voir à quel point je me chauffe. Allez hop, Vince, c'était ton idée, toi d'abord. Par contre, je l'ai mis toute droite, donc si tu te casses la gueule, c'est pas mal. Mais il y a des crochets. Ah regarde. Oui, effectivement. Effectivement. Oh, c'est bien foutu. C'est bien foutu. Ok, pendant qu'on libère les chevaux, si on peut, ouais, passer à Dada, ce serait bien. Comme ça, comme ça, tu seras contente déjà. Oui. Et comme ça, on évitera les problèmes. Bonjour. Enfin, non, bonjour. Oh, attends, il y a une fourche là. Non. Une fourche. Non, mais parce que ça va mal finir. Hein. Bah, on va se faire tirer là-dessus. Moi je te le dis, on va se faire tirer dessus. Oh, les poneys! Où ça? Oh, bah. Ils sont beaux les poneys? Oh, oui. Est-ce que les poneys sont bien faits? Ouais, ils sont bien faits. Oh, ça va! S'il vous plaît! Pas dégueu! Pas dégueu-gueu! Allez, go! Hop, on peut là! On peut même je sais pas, pas mais pour le moment, il faut vraiment ouvrir pour le moment. Y'en a que 3? Attends, c'est pas assez pour les attirer. Si? Bah, dis, ça coûte cher un cheval, hein. Ouais, mais je veux dire, l'idée c'était de faire du bruit, non? Tu devrais pas venir m'aider en fait? Ah, bah non.
Non, pas du tout. De l'autre côté. Et ben. Et ben, peut-être. Ah, ah, c'est quoi ça? Pourquoi une lampe? Qu'est-ce qu'elle a cette lampe? Pourquoi une lampe? T'es pris pour Claude François? Attends, quoi? Quoi? En quoi ça t'aide? En quoi ça t'aide? Je sais pas trop. Non, j'ai fait une bonne action. Cette lumière va servir à quelque chose. Cette lumière va sauter et va faire peur aux chevaux. Écoute, oui, vas-y, essaye. Pourquoi j'ai allumé une lampe? Je sais pas. Pourquoi j'ai allumé une lampe? Pourquoi j'ai allumé une lampe? Est-ce que c'est une référence? Par contre, attends, on peut faire un truc avec les dadas. Don't you wanna be free? Non. C'est bon? Attends, il y a des trucs là. Non. Oh, oui. Ça fait des armes. Enfin, je sais pas, ça fait quelque chose pour se défendre. Pour leur faire peur. Ah, t'as raison, oui, c'est ça, il faut les apeurer. Ah, mais c'est pour ça. Si tu prends un truc et que tu frappes sur la lampe... Ah non, non, tu vas te mettre un coup de jus, c'est pas une bonne idée. Oh, quoique. Si on frappe au bon endroit. Mais acceptez de prendre un truc, les filles. Faites quelque chose. Le bidon, ça marche pas, ça marche pas. Allez, avance, Coco. Non, ça vaut pas. On a l'air ridicule. Oui, bon, ça va, hein, c'est la première fois que je dois m'occuper de chevaux. Je suis désolé si je suis un peu perdu, c'est normal. Y'a pas un truc à l'étage? Attends. Attends, y'a un truc pour faire du bitume là. Oh, viens, on le pousse. Ça, ça va faire un bruit. Oh mon dieu. Ah oui, ah oui, oui. Ça, ça va faire un bruit. Tiens, tu sais quoi, je te garde ta place à droite, à gauche, moi je vais à droite. Non, de l'autre côté. Hein? Ouais. Je fais exprès de te garder à place et... Pardon. Vraiment, on dirait un Sims, hein. On dirait un Sims quand t'avances. T'as l'air vraiment paumé. Ok, go. Prépare-toi à courir. Go. Hi-ha. Fuyez les cannabis. Soyez libres. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. Come on, let's go. Merde. Come on, let's go. Oh, vite, allons chercher les cannabis. Oh, viens là, Francine. Francine, si. Pépère et Coco. Yeah, let's just hope these horses keep running. They will. Du coup, maintenant, c'est quoi l'idée? On prend possession des lieux. Changer de vêtements. Oh, les malinx. Oh, les malinx. Oh, les gros, 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 gros malinx. Et aller au pick-up. Ah bah, très bien. On peut pas prendre le fusil aussi? Prendre la vieille Betty, là? Par où on rentre? Bah, par l'entrée. Einstein. Sauf que, oui, voilà, l'entrée est par là. Oh, c'est malin. Ah, regarde les champs. Oui, le travail que ça demande. Attends, parce que ma mère et pépère, comment ils gèrent tout ça? Y a pas que, y a pas, c'est pas possible. À mon avis, ils se séparent en hectares. Pardon, je me prends une bière. Oui, bien sûr, bien sûr. Je sais que c'est pas le moment, mais. Je m'en prends vraiment une bière. Mais attends, moi aussi j'en veux une. Oh non, oh c'est crade. Attends, parce que moi par contre, je pense qu'il est capable de la boire même si elle a deux semaines. T'en fais voir. C'est quoi que tu as bu, toi? Du lait. C'est marqué milk. Ok. D'accord, bon, au moins je me suis un peu rassasié, hein, si jamais. Oh, la saucisse. Oh, la saucisse. Oh. Ça va oui. Alors, mon chéri, qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Eh, mais attends, parce que je peux jouer avec, j'ai pris un cookie. Ça sert à rien. Oh, j'ai mangé un cookie. Mais j'ai pas la vaisselle, mais tu t'en fous. On dirait toi. On dirait tellement toi. Mais c'est... Qu'est-ce qu'on s'en fout? On essaie de s'enfuir, on est des fugitifs recherchés. Oh, téléphone. Allô? Pardon, oui. J'ai quelque chose de plus intéressant. Vraiment téléphoné? Je téléphone à ma femme. Ma femme, peut-être. Non, non, c'est pas une bonne idée. Non, téléphone pas à ta femme. Non? Rob? Non? Attends, je fais un canular téléphonique? Mais non. Non, parce que si je fais vraiment un canular, c'est débile. Oh, j'y crois pas. Salut, une géante avec supplément pepperoni. Ça fait de la musique? Oui, oui, oui. Et c'est moche, c'est vraiment très moche. Ça fait vieille musique qu'on écoutait pendant la Première Guerre mondiale. Par contre, j'aime bien les télés comme ça, encastrées dans des mobs, ça c'est classe. Ça c'est vraiment classe. Stylé. Bon, la qualité est bien dépassée, hein, mais c'est vraiment classe. Ah, j'ai trouvé Pipi Room si besoin. Ah, j'ai allumé la télé. Très bien. Ah, moi j'y crois pas. Tu t'installes vraiment là, ça y est, t'es chez toi. Bah ouais. Attends, parce que je pense qu'ils vont débarquer, hein, donc vraiment, c'est il faut qu'on bouge. Un iPhone? Non, c'est... un iPhone. On sait jamais, hein, je sais plus à quelle époque on est, moi je suis perdu. Non, vraiment, par contre... Je suis un petit feu, hein, je mets pas de date, vraiment, je mets pas de date, je sais pas où on en est. Je pense qu'à l'étage, ils ont des fringues. Oh, attends. Attends, je fais un feu. Oh oui. Tout à l'heure, j'espérais pouvoir en jouer. Oh mon dieu. Viens jouer avec moi, il y a un piano. Viens jouer avec moi. J'arrive. Oh, facile, moyen, extrême, difficile. Quoi? Oh, viens jouer avec moi. Qu'est-ce que... Moyen. C'est génial.
Vers quoi? C'est moi qui joue! C'est un Guitar Hero! Ah, c'est dur. T'as joué en quoi? Moyen. Ouais, moi aussi. Ah, par contre, attends, j'ai loupé une note. Oh, comment c'est dur! Ah! Tu te rends compte qu'il y avait un niveau extrême, hein? Oh mon dieu. Eh, hey, on était accordés? On va jouer ensemble! Trop bien! Vas-y! C'est stylé! Trop! Sûr, ça débloque un succès. Je pense, ouais. Je pense qu'il y a aussi un succès d'ailleurs si on les fait en extrême. En extrême, c'est trop dur. Ouais. Vous pensez vraiment que c'est le moment, par contre, de foutre le bordel? On va courir! On va courir, moi je vous le dis! C'est génial! Yeah, baby! Yeah, baby! Oh! Rock and roll! Nice. Allez! Yay! Attends, petite curiosité. Oh! Hey, en synchro, check ça! Hey! Je veux savoir. Attends. Le niveau extrême, juste pour moi. Ok, je suis venu. C'est beaucoup trop dur. Mais déjà, en plus, il faut lire à la verticale, c'est pas évident. Ouais, c'est difficile. Ok, il y a une fenêtre pour sortir dehors. Note, parce que ça va servir. La porte d'entrée aussi est ouverte. Oh, il y a un truc secret là, regarde. Non, un petit peu. Oh! Ah, c'est la cave peut-être. La cave? À l'étage et demi? Ah, oui, non, j'avais pas vu que t'étais déjà monté. Oui, pourquoi pas. Non, je sais pas. Un grenier, oh. Un escalier qui mène au grenier. Attends, je me transforme en Heisenberg. Quoi? Oh, vas-y. Oh! Oh yeah! Oh! Heisenberg saison 1. Putain, mais t'as vraiment la tronche d'Heisenberg! Avec le chapeau, c'est terrible! Il te manque les lunettes et moins de cheveux! Il y a un deuxième chapeau pour toi, chérie, si tu veux. Quoi? Quoi? Il y a le petit chapeau rose! Attends, moi, je veux tester le même. Je suis sûr il va mieux. Non, prends le rose! Oh, mais non! Yay! J'ai une tête de lampe! Trop mignon! Et le pire, c'est qu'il dit putain, j'ai la classe, quoi! J'ai une tête de lampe! Ou une tête de. Trop mignon! D'autre chose! Mais c'est plus gênant. Par contre, attends, je veux voir l'autre. Non, je veux pas remettre le même! Ah, c'est bon. Je croyais qu'il allait mettre le même. Mouais! L'un comme l'autre, c'est pas ouf. Hein. On peut vraiment interagir avec tout et n'importe quoi. Oh, il y a un château de cartes! C'est trop rigolo! Oh, tu peux construire! Vas-y, je construis avec toi. Attends, non, dégage, toi t'es trop brutal. Oh, je veux construire des cartes. J'ai tout cassé. Voilà, t'es nul, c'est moi qui est minutieux ici. Enfin, non, c'est pas vrai. Je peux reconstruire. Ah, je suis vraiment naze en fait. J'adore les passages comme ça où tu peux interagir avec le game. T'as une sortie dans la salle de bain? Ok. Attends, vraiment, il y a beaucoup de sorties. Ah là, il y a le dressing. À un moment, il va falloir. Attends, te dresse pas sans moi. Enfin, te dresse pas. C'est pas ce que je voulais dire. Ah, j'aime pas les bottes à musique. T'as joué avec ça là? Oui. Ça fait quoi? C'est une machine à coudre. D'accord, bah ça fait rien de plus. Ok. Oh, on peut s'allonger dans le lit. Il y a un atelier de couture. Oh, t'as vu le petit bouquin? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, regarde! Oh putain, j'y crois pas. Oh yay! Bah au moins comme ça, ils sauront qu'on est basé. Voilà. Bon bah voilà. Ils ont pas internet, donc effectivement, on doit être dans les années 90. 80-90. Je sais pas, je pense qu'il faudrait qu'on soit en ville en fait, pour voir. Bon. Allez, direction crashing. Oui, chef! En même temps ou... Bah... Est-ce que tu choisis tes fringues? Ah, oh, ce serait bien. Oh, ce... Pardon, oh, excuse-moi. Désolé, hein. Désolé de vous gêner, monsieur. Attention. Ah, yeah. La petite chemise. Tu peux pas t'en empêcher, la petite chemise. Hein. Par contre, du coup, on peut pas choisir, c'est dommage. Mais non, c'est sympa. Putain, ils ont un dressing bien fourni, hein. Attention. Fermier, mais on rigole pas, hein. Putain, t'as la classe. T'as vu ça, vraiment, t'as la classe. J'aimerais un petit blouson aussi. Ça va un peu. Ah oh, j'ai un fusil. D'accord. Ah, je suis habillé comme un ancien militaire. Oh yay. Ok. Ah, je pense que Léo c'était mon perso depuis le début en fait. Ouais. Vraiment, il est beau. Oh. On sort par là du coup. Attends. Non, il s'assoit juste. Ah dommage. Bon, en même temps, il allait pas s'allonger avec le fusil, mais et ben, allez au pick-up. Bah attends. D'un point de vue scénarisation, il y a des fenêtres ouvertes de partout. On va pas nous demander de courir ou quelque chose du genre. Moi, écoute, si on me demande pas de courir, je prends la grande porte. Hein. Je vois pas pourquoi est-ce que je m'embêterais. Mais je leur ai fait un petit feu quand même. Oui, écoute, on a tout fait péter. Là, on est bien. Hein, on a décoré la baraque. On est... Putain, comment on est badass. Tellement. Comment on est trop... On dirait deux mafiosos. Il est où le pick-up? Il est derrière, je crois. Mais oui, mais du point de vue de... Où est le derrière? Par là. Oh, il y a des cochons. Parce que je sais où est ton derrière, mais où est le derrière? Attends, moi, je suis les traces. À mon avis, ça m'étonnerait pas que le pick-up soit au bout. Lancer des ferrages. Quoi? Attends, j'arrive. Bien joué.
Bien joué. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs à faire. Attends. On n'est pas prêt de décoller, ma petite Stal. On n'est pas prêt de décoller parce qu'en plus, si on décolle, je pense qu'on va s'entamer un nouvel épisode. Donc, viens jouer. Attends. Mais déconcentre pas. Déconcentre. Merde. Je pensais qu'il y avait une espèce de retombée. Mais je suis trop naze. C'est les points, regarde. Tu marques 5 points si tu l'entoures. Ouais. Tu marques 3 points si ça touche le poteau. Et tu marques 1 point si tu le lances dans le rectangle. Ok, j'ai 9 points. Non mais vraiment, par contre, tu verras, la lancer, c'est un peu bizarre. Ça fait très fléchette, en fait. Fléchette à la GTA 4. Mais du coup, oui, vu que t'as jamais joué... Comment j'ai fait pour avoir 9 points? 0. Ah non, t'as eu 1 point. D'accord, il considère 1 point à partir du moment où t'es dans la zone. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Ah, d'accord, donc t'as 2 points. C'est dur, hein? Oui, bah j'ai pas dit que c'était facile, hein, j'ai dit que c'était dur. Ok. Ouch. C'est un soin, non? J'aimerais bien réessayer une fois, Peb. Hop. C'est ouais. Vraiment dur de savoir quand est-ce qu'il faut lâcher. Hein. Oh, yay! Oh. Allez! Oh quoi? Quoi? Tu m'as eu sur le dernier point! Je suis désolé, je dis non! Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Ah, oh, on peut ouvrir là. Hop! Merde, là par contre vraiment. Oh! Hop! Je pensais que c'était fermé! Ok. Oh merde, merde! Ok! Il y a un chat! Miaou! Del. Je sais pas si c'est mes points que je cumule ou. Hop! Putain, mais je suis mauvais! Putain, mais attends, on est tellement à un point! Non, j'ai gagné. Bon, j'ai gagné, mais c'est compliqué à gérer les mini-jeux. Je suis sûr qu'il y a un truc à voir avec ça. Oh, il y a un tracteur. J'ai de l'essence. Oh, il y a un tracteur. Quoi? T'as de l'essence? Pour le pick-up. Ni. Bonjour. Ni. Bonjour. Ah, salut. t'es sûr que c'est pour le pick-up? Bah, pourquoi d'autre? Effectivement. Non, pour oui, effectivement. Par contre, ça. Oh! J'ai entendu un bruit bizarre, ça m'a fait peur. Je crois que c'était un chat. Où c'est qu'il y a un chat? À l'intérieur. Un châtaignier, intérieur où? De là où on était. Ah mince, ah bah j'ai pas vu. Non, là c'est où il y avait les dadas. Là c'est où il y avait les dadas. Ah non, non, t'as peut-être raison en fait. T'en fais voir. Allez, viens m'aider. Yay! El pick-up! Oh my god, it's a piece of junk. Un vrai tête de oui, mais c'est la voiture de ville, donc elle doit rouler. It's not that bad. Hey. It's even missing wheel. Ah. Voilà. Sure there's a spare around here somewhere. I don't know, oh, man. Mon Dieu. It's not like we have a choice. Sherby's running on foot. Stal, je pense que cet épisode va être un peu plus long, mais on répare ce taco pour mettre fin à l'épisode. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Allez, c'est parti. On répare le taco. Attends. Alors, réparer le pick-up. Déjà, bon. Je vais mettre de l'essence. Oh, j'ai trouvé la roue. Regarde. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? The battery seems dead. Non, mais c'est une roue de carrosse. Ah, la batterie est morte en plus. Très bien. Mais non. De pire en pire. Prendre la barre, On peut faire. Attends, parce que moi je suis en train de m'armer en mode The Walking Dead là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voyons voir. Et je peux pas mettre de l'essence? Ah, je peux soulever si t'as besoin. Bah, je sais pas. Là, il y a des outils. Il y a une boîte. Il y a une boîte. Ah. Attends, j'ai l'impression que tant que j'ai ma barre, je peux pas faire. Ah, faire grand chose. J'ai la clé en croix pour changer la roue. Ouais. Attends, moi je mets de l'essence. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis pas sûr que ça a un réel intérêt vu qu'il n'y a pas encore la roue, mais. Mais où c'est qu'on va trouver la roue? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu! C'est une poulie! Oui. Prendre la barre. Est-ce que ça veut dire que. Je vais pouvoir. Attends. Ok. Ouais, attends, c'est la barre que j'avais tout à l'heure. Ça veut dire quoi que je peux sauter avec? Non, c'est pas ça. Salut. Oui, bonjour. Soulever. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que. Ah, tu peux soulever avec la barre! Ah, d'accord, je comprenais pas le lien en fait. Par contre, il faut que tu fasses la roue. Eh, mais j'ai pas la roue. Ah. J'ai pas dit que je l'avais, hein. Pour ça, je la cherche. Bah, je sais pas, t'as dit que t'avais la roue tout à l'heure. Non, mais t'as pas vu, je t'ai dit c'est une roue à carrosse, je t'ai dit que c'est une blague. Ah, j'ai dit mille fois que c'était. Ah, attends, non, j'ai compris. Ok, d'accord, on a besoin d'être deux. Monte à l'étage. J'avais pas compris. Faut penser coopération en fait. Parce que là, j'ai un crochet qui permet de passer d'un côté à un autre. Et en fait. Ah, là-haut, il y a plein de roues. D'accord. Ok, tu vas monter sur le crochet. Oui. Vas-y, monte. Voilà, et moi je t'amène de l'autre côté. Oui, trop bien. Comment je fais pour faire avancer une baleine comme toi? Hé hey. Je suis pas une baleine. Je sais plus comment il s'appelle, le héros de GTA V, mais des fois tu m'y fais penser un peu. T'as le même ventre. Mais sinon, pour le reste, c'est un Heisenberg. C'est un Heisenberg.
Ok. Bon, j'ai un pompe, mais je peux toujours pas m'en servir, hein, si besoin est. C'est bon, j'ai une roue. Enfin, j'ai un pneu. Oui. Des vraies roues, il y en a... Oh, ah. Oh, oh, oh. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai une vraie roue. Viens t'attendre là-bas. Attention. Yep. Ouch. Alors, attends. Clé en croix. J'ai... Donc... Où est la roue? Ah, là. Le moteur, c'est bon, en fait? Ah non, il n'y a pas la batterie. Toujours pas? Non. Ah, merde. Viens, je soulève. Bah, écoute, attends. Vas-y. Occupe-toi de soulever la voiture. Bordel. Ce jeu, jeunes gens, est trop bien. Quoi que vous ayez entendu dessus, je le trouve extraordinaire. Ouais, la coopération est trop travaillée, c'est génial. Ok. Donc ça, c'est bon. Okay, tu veux faire la clé en croix ou pas? Ouais, je vais le faire. Ok. Je sais pas s'il y a déjà les boulons dessus. C'est quoi le X? Je sais pas. Elle est passée où la clé en croix? Quoi? Elle était là, non? Oui, non, mais attends, je l'ai ramené et je l'ai posé par terre, près de la roue. Ah bah bravo. Genre là, juste devant. Par contre, attends, parce que pendant que tu fais ça, moi je pars à la chasse à la batterie. Ouais. Où c'est qu'on pourrait croiser une batterie? Attends, je vais voir où c'est que t'as pécho l'essence. Ouais. Parce que oui, effectivement, l'essence on l'a pécho loin. Hein. Oh, la batterie, on peut pas prendre celle de du tracteur? Du tracteur! Et le tracteur! What? Ah merde! Ça c'est pour la charger. Ouais, bah on va en avoir besoin, ça veut dire. Ça veut dire bon. Ah, je vais pousser le pick-up jusque là-bas. Ah, il faut que tu viennes m'aider. Oh, d'accord, oui, on va la recharger manuellement, trop bien. Oui, donc il y en a un qui va prendre le volant et l'autre qui va. Non, attends, tu fais quoi là? Bah, je soulève pour que t'enlèves la bûche qui est sur le côté. D'accord, oui, c'est logique pour la remettre à terre en fait. Ouais. Okay. Non, de l'autre côté. Sur le côté, là. Ah, celle-là! Oui. Oh là là! Je me demandais ce que c'était tout à l'heure, vas-y! Bah, c'est bon là. Ah, c'est bon? Ok. Je retire. Hop là! Voilà. Le plus gros, yeah. C'est fait! Bien! Vas-y, je pousse. Vas-y, tu pousses et bah, moi je pousse à l'avant. Oh, je crois que je vais devoir diriger en même temps. Oh ouais. Mon dieu! Oh mon dieu! Oh, effectivement! Vas-y! Oh là là! Oh là! Attends, mais c'est stylé! C'est trop stylé, j'adore! On va terminer le jeu en une fois. Non, je pense pas, hein, mais. Vraiment, là, j'ai pas envie de m'arrêter. Ok. Non. Vous êtes obligé de vous engueuler. Ah, bah, c'est bon, tout s'est bien passé. Voilà, nickel. Eh, franchement, moi, je pensais que ça allait faire du bruit, que ça allait tout éclater. Franchement, on s'en sort bien. Oh, pardon. Ah, parce que j'ai l'impression qu'on pouvait. Ah, non, je pensais qu'on pouvait aller par là. Couper du bois. Ah, pardon. Hein. Couper du bois. Quoi? Tu trouves vraiment que c'est le moment? Genre, ouais. Vraiment, quoi. Attends, ça sert à... Oh, ok, l'un de nous va devoir démarrer. Quoi? Attends, maintenant. Ouais, c'est ça. Va falloir tester la batterie. Donc, c'est parti pour les connectiques. Le rouge sur rouge, le bleu sur le bleu. Enfin, le positif sur positif et négatif sur négatif. Tu connais un peu? Ça devrait aller. Bien. Alors. Hop là. Vas-y, c'est démarré. Oh shit! Yay! Bah voilà! It actually worked, this piece of junk. Yeah, I told you so. You did, but still, I was in doubt. Du coup, maintenant, faut pas l'éteindre, hein, parce que la batterie, je pense qu'elle est pas rechargée. Ouais. Thanks, Leo. Faith, huh? Yeah. Well, let's get out of here. Yes. Oh merde, ils sont de retour! I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Ah mais attends, ils savent depuis le début qu'on est là. Thank you. Comment are the police on their way yet? Yes, bah genre en fait, ils ont fait exprès de pas venir nous voir, ils savent qu'on est là. Ils savent qu'on est là en fait. Et ils ont peur. Ils ont... Bah oui, ils appellent les flics. C'est pour ça. Mais du coup, j'ai sa Betsy dans le dos. Non, c'est pas Betsy, t'as Betsy, moi je l'ai vu. Bah je sais pas, il a pris son flingue. Elle est accrochée au mur. Ah bon? Bah Betsy, elle était sur la table aussi tout à l'heure. Ok. On dégage. Et c'est une fin d'épisode incroyable. D'abord, si tu conduis, tu mets la radio, hein. Une bonne musique. Ah bah ouais. Évidemment.